sky, blue is the sky, and quick is the horse. Quick are the horses ici à Ballyhan. Welcome to the Irish Stallion Trail. Welcome back to the Irish Stallion Trail. Sous un ciel bleu typique de l'Irlande, nous sommes ici donc à Ballyhan Stud et Joe Foley avec ce newcomer, ce nouvel étalon très typique aussi de la rapidité irlandaise qu'on va voir sortir ici emmené par Julien, ce nouvel étalonnier français de Ballyhan Stud. Regardez-moi ce modèle, look at this model, a typical two-year-old. Très typique, un vrai 2 ans. En fait, pourquoi je dis un vrai 2 ans, c'est qu'il avait 2 ans. L'an dernier, il n'a couru que à 2 ans, il a gagné. Il a couru 5 fois, il a gagné les Norfolk Stakes. He's only 3, this horse, Prince of Lear. That's his name, Prince of Lear. He's by Kodiak, the very famous Kodiak. Et avec lui, on est un petit peu assis sur le moteur. C'est la méthode irlandaise. You are sit on the engine if you ride Prince of Lear. And Joe Foley, the boss, will talk about Prince of Lear, his profile. Alors, expliquez-nous un petit peu, Joe, son profil à Prince of Lear, his story too. Well, he topped the sale. The first time I saw him was at Doncaster Breeze Up sale when he was the fastest horse at the Breeze Up, and then he topped the sale. He made 170,000 sterling pounds. Alors déjà, il a commencé sa carrière en étant top price, le plus rapide des ventes Breeze Up de Doncaster, et le top price de la vente. Il a fait 170 000 livres puisque Doncaster est en Angleterre. Il was presented by Conmarnan. Il était présenté par Conmarnan King Con, and then. Yes, he was presented by Con, who you all know in France, and then he was bought by Matt Coleman of Anthony Crowd, Stroud and Matt Coleman, and put him in training with Robert Cowell, where he was very impressive debut winner, beating the last lion in Beverly in a very good conditions race. And 14 days later, he went on to Royal Ascot, where he won the Group 2 Norfolk Stakes from a very high class field. Alors voilà, ce cheval, en fait, Prince of Lear a accompli le rêve de tout Anglais ou Irlandais passionné par la vitesse et les précocités. Il a gagné en débutant, battant un futur très bon cheval, The Last Lion, vainqueur des 1000 Dollar Stakes un peu plus tard dans la saison. Et puis, 14 jours plus tard, il s'est imposé devant la reine d'Angleterre dans les Norfolk Stakes, un groupe 2, voilà, pendant le meeting de Royal Ascot. Ça, c'est absolument le must que peut espérer, dont peut rêver un propriétaire éleveur anglais, irlandais et aussi un étalonnier. Et ce cheval, en fait, il a accompli ses exploits l'an dernier. So he did all that last year, he was only 2, now he's only 3, and he's already a stallion. Why? Because he had a little injury, he had a fractured splint under his knee, so that sort of was going to compromise his racing career, and I bought him. Voilà, effectivement, on le voit sur sa jambe droite. En fait, il a une petite fracture en dessous du genou sur sa jambe droite. Et évidemment, sa carrière de course était compromise. Et alors, plutôt que d'essayer de le réparer et de le remettre en course en perdant évidemment beaucoup, beaucoup de temps et en ruinant le printemps classique, en fait, he couldn't be ready to run in the classic spring. It was not possible. Donc, du coup, Joe Foley a décidé de l'acheter pour être son nouvel étalon ici aux côtés de Dandy Man, de Red Jazz, de Battle of Marengo, j'en oublie un, Elzam également, que nous avons vu l'année dernière ici pendant cette Irish Stallion Trail. Alors, un cheval comme ça, j'imagine qu'il est très très demandé. Je rappelle que c'est le premier produit de Kodiak. We didn't talk about his sire, Kodiak, and it's very very important. For your point of view, how many mares will he cover this year? He's limited to 125 mares. And that's a policy we've started this year in 2017, and it's proving very popular. People like limited books, and he is full, with some very nice mares coming to him. He's also being shown by Julian, a fellow Frenchman. Voilà, donc ce cheval qui, Joe nous le rappelle, nous est présenté par Julien, un jeune Français qui nous arrive de Vimoutiers dans l'Orne. Il est limité à 125 juments, c'est important pour débuter, il n'a que 3 ans, donc Joe limite le cheval quand même à 125 juments. Et bien figurez-vous qu'il est déjà plein à un prix, what price is he? He's 5,000 euros. À 5 000 euros, voilà, il est déjà plein avec 125 juments. Un petit mot quand même de conclusion, Kodiak, vous en avez beaucoup entendu parler, c'est son premier produit étalon. So, just a little word to finish about Kodiak, it's a very important sire in Ireland. Yeah, he's a very, very good sire. He's been upgrading his mares over the past years. He had 12 stakes winning 2-year-olds last year. He's a high-class sire of 2-year-olds, and I think he's going to be a very good sire of sires in the future as well. Voilà, donc Kodiak, qui est le propre frère, d'Invincible Spirit, est un étalon qui est une véritable révélation. Il upgrade les mères, il améliore les mères qu'il rencontre. C'est un excellent père de 2 ans et Joe est certain qu'il deviendra non seulement un excellent père de 2 ans, mais également un père de pères. Kodiak, l'auteur de ce Prince of Lear, étalon débutant à Ballyhan Stud, juste à côté de chez Willie Mullins, près de Carlow ici, en Irlande,
en 2017 avec 125 juments déjà pleins.